Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain à la bière brune. C'est une recette vraiment inratable, elle est délicieuse. Alors pour la réaliser, vous allez tout d'abord insérer le couteau pour pétrir concassé dans le bol de votre compagnon et vous allez ajouter 330 ml de bière brune ou de bière noire. Moi, j'ai pris de la Guinness sans alcool. Voilà, vous mettez la bière que vous souhaitez. 2 sachets de levure de boulanger. Alors, il faut que vous ayez au moins 10 g de levure déshydratée. Hein. 580 g de farine. Vous pouvez faire des mélanges de farine, mais moi, j'ai utilisé 580 g de farine de blé blanche, tout ce qu'il y a de plus classique. Une cuillère à café de sel. Un œuf entier. Et voilà en ce qui concerne les ingrédients. Donc maintenant, vous refermez le couvercle, vous laissez le bouchon et vous lancez tout simplement le programme pâte P1 pour les 2 minutes 30 de pétrissage qui vont s'enchaîner voilà, avec les 40 minutes de pousse que vous devez laisser tourner. À l'issue des 40 minutes de pousse, voici l'état de votre pâte. Elle est très collante, donc mettez-vous un peu d'huile sur les mains avant de la manipuler et posez votre miche de pain, vous voyez que c'est très collant, sur du papier cuisson, sur une plaque allant au four. Vous allez laisser pousser 1 heure votre pâte à pain et vous voyez le résultat au bout d'une heure à la... facilement doubler, voire tripler de volume. Nous allons maintenant cuire notre miche de pain à 230 degrés, environ 30 minutes. Vous surveillez évidemment. Alors moi, j'avais fariné et j'avais cisaillé le dessus pour obtenir cette croûte-là. Vous faites comme vous souhaitez, évidemment. Et voici donc le résultat. Donc ça fait une très belle miche de pain. Et vous voyez donc l'intérieur, elle a une jolie couleur beige. Et la mie était vraiment succulente. Ça nous a fait un repas et demi. Donc autant vous dire que tout le monde a adoré. Voilà pour cette recette. Je vous dis à très bientôt.